Hein, Woody? Ouais? Ah, c'est Dodo, l'enfant d'eau. Merci. Tu vois rien, mon pauvre. En général, le matin, on mange quasi tout le temps la même chose, que ce soit le week-end ou que ce soit les matins pour l'école. Pour le moment, les enfants s'en lassent pas, donc je verrai le jour où ils en ont marre de manger ça. On mange toujours des œufs, on les fait très souvent cuire dur parce que c'est comme ça que les enfants les préfèrent. En plus, c'est pratique au niveau de la cuisson, hein, juste à les mettre dans l'eau et à attendre. Et on accompagne avec des fruits. Aujourd'hui, on a des myrtilles, des raisins, des pommes, des kiwis et des oléagineux. Et aujourd'hui, il ne reste que des amandes. Et parfois, le week-end, on rajoute des tartines de pain complet, pain intégral avec du samouré, vous savez, du fromage de tartine. Des crêpes, on a mangé du pain avec moi, la confiture. Tu te rappelles l'ingrédient qu'on avait mis dedans? La banane? Ouais. Une glace à la banane. Confiture de pain à la banane. Mais la confiture de pain. Brioche à la banane. C'était bien, c'était la semaine du goût. Oui, c'était vraiment bon. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit vlog, je vous embarque avec nous dans une matinée sans école pour les enfants. Je commence toujours par mon brossage de dents accompagné de bains de bouche et de fils dentaires. Le dentiste m'a dit que c'était hyper important pour avoir une hygiène dentaire irréprochable, donc je m'exécute. Un petit stick rafraîchissant sous les yeux, histoire d'atténuer mes poches. Les nuits sont assez courtes ici, on se lève tôt. Mon sérum de chez Clarins pour lutter contre les rides et les ridules. Mon déo de chez Wild qui n'est pas néfaste pour la santé et surtout efficace. Et ma crème de jour de chez Benefit que j'adore puisqu'elle a une texture super légère. Je ne sais pas vous, mais moi je suis accro au baume à lèvres, je m'en mets 40 000 fois par jour. C'est fini pour ma petite toilette, je vais maintenant faire une petite mise en beauté. Je fais toujours quelque chose d'assez rapide, hein. Surtout ici comme il fait chaud, j'évite de trop me maquiller. C'est vrai que j'utilise uniquement de l'anti-cerne et ensuite je les stompe, je les tire au maximum. Je trouve que c'est suffisant. J'ai celui de chez Huda Beauty, j'aime beaucoup la matière et j'ai de la chance puisque j'ai surtout la bonne teinte. C'est parfois ça le plus compliqué quand on parle de fond de teint et d'anti-cerne. J'enchaîne ensuite avec la poudre du soleil histoire de réchauffer mon teint, d'avoir un petit peu meilleure mine. Et ensuite je passe au blush, toujours de chez Benefit, j'adore sa texture, il est ultra crémeux, un petit peu sur le nez pour un effet coup de soleil, je trouve ça super cute. Je brosse mes sourcils quelque peu broussailleux et je comble les trous que j'ai avec toujours un produit de chez Benefit. Vous aurez remarqué, j'aime beaucoup cette marque. Je les fixe ensuite avec un gel fixateur et pas besoin de me recourber les cils en ce moment puisque ma copine Mylène m'a fait un rehaussement de cils. Encore un petit coup de baume à lèvres, celui-ci avec une protection anti-UV et je file m'habiller. Ce matin, avec les enfants, on a décidé d'aller promener Bonnie, mais pour changer, on ne va pas aller à la plage. On nous a parlé d'un endroit qui apparemment est trop cool, donc j'enfile une tenue de circonstance et surtout confortable. Je troque mes habituelles tongs pour mes baskets de chez Gizwain, puisque aujourd'hui, elles sont parfaitement adaptées à notre activité du jour. Ce que j'apprécie particulièrement avec Gizwain, c'est qu'ils font des produits de très haute qualité. Ces chaussures sont en laine de mérinos, elles sont extra légères, elles sont surtout très confortable, la semelle est amortissante, elles ont une très très bonne résistance à l'usure, comme je vous disais, elles sont de très bonne qualité. Autre point positif, elles régulent la transpiration, donc pas de mauvaises odeurs, elles gardent vos pieds au frais, même quand il fait chaud. Je les ai complètement adoptées, elles vont m'accompagner dans toutes mes randonnées mauriciennes. Si vous avez envie de tester, profitez du code CAPUCINE20 sur tout le site de Gizwain. Ça va mes chouchous? Oui. Ça va Bonnie? Et on va où? À la forêt, ah. À la forêt, on va promener Bonnie. Ouais, on va promener Bonnie. Ah, ton bateau? Oui. Tu veux le garder? Oui.
Oui. Allez, bah prends-le, tu peux y aller. La Bonnie, elle est contente, elle est partie en exploration. C'est agréable parce qu'il fait bon, il fait frais. On est bien. Regarde, elle est là-bas dans la forêt. On la voit pas trop, elle est un peu cachée. C'est notre première fois ici. Donc on va un peu explorer sans trop s'éloigner. Hein. Moi, je suis pas une très grande téméraire quand je connais pas. Vous voulez qu'on aille voir? Ouais, maintenant. Bon, bah allez, Victoria va aller voir ce qu'il y a là-bas au bout, en haut des escaliers. Vous oui. Ah, regarde, ça mène vers un autre chemin. Bah, venez, on prend l'autre chemin. Là, regarde, Bonnie est descendue déjà. Regarde. Ah, ouais, j'ai trouvé. Là? Ah, ici, il y a des bancs. Une cabane. Tu fais une cabane? Oui. Pour qui? Pour Cameron. Ah, Cameron, c'est son bébé. Victoria, elle a préparé un feu. Regarde là, mon titi, il y a des bâtons. Qu'est-ce qu'elle a ta main, mon titi? Elle est toute sale. Essuie-toi sur ton t-shirt, regarde, il est déjà tout sale. Mais elle est toujours collée. Ah oui, bon, tu sais, il est dit, oula. Bonnie explore. Les enfants s'amusent bien. Ça change de la plage. C'est sympa, je reviendrai. En plus, c'est vraiment pas loin, ça fait 10 minutes de la maison. On est rentré de la forêt du coup de Daruti, c'était super cool. Pareil, Athènes, ça change. Ça change de la plage, même je crois que Bonnie elle a grandement apprécié. Il est midi, du coup on va être obligé de faire à manger parce que les enfants ont faim et moi aussi. Ce matin, j'ai fait cuire un mélange de céréales, c'est épeautre, lentilles et corail. Ouais, lentilles, corail et il y a autre chose dedans, j'ai oublié. Épeautre, lentilles, corail, tournesol. T'es fatiguée mon grand loup, hein. On va aller à la sieste après. Donc on va faire une salade rapido avec les enfants, on va rajouter des tomates, des concombres, des olives, du maïs et de la feta. Et déjà, avant de cuisiner, les gars, faut vous laver les mains. Ah, et je sais ce qu'on va rajouter dans la salade. Un œuf? Ouais, on peut prendre correctement. Frotte, comme ça, exactement. Lâche les mains, voilà, on frotte comme ça. Après, on frotte comme ça. Athènes, tu peux manger une olive qui est là, d'accord? On va mettre le maïs à part parce qu'Athènes n'aime pas. Et on va mettre la feta à part parce que Vivi n'aime pas. Faire la cuisine avec des enfants qui ont faim, je sais pas si c'est une très bonne idée. Il veut tout me manger, il veut tout me manger. Maman, attention. Super. Oui, ah. Très bien. Attends, je te pique ta cuillère pour enlever les graines. Comme ça, maman? Ouais. Super. C'est très bien ce que vous faites. On met tous les concombres. On va s'occuper des tomates. C'est motivé. Attends, on se met comme ça. C'est bon, je peux le rajouter dans la salade? Ouais. Alors, il faut mettre le maïs dans un petit bol. Mettre la feta. Moi, je mets le maïs. Je mets tout. Oui, vas-y, prends le couteau. Tu coupes la feta, tu fais des petits morceaux, s'il te plaît. Tu peux faire des gros morceaux. Ouais. Vivi, on te voit manger là. Le maïs. Oui, tu peux manger. C'est toi qui mettras ce que tu as envie, d'accord? Aussi. Ah. Et pipi, oura. Et pipi, oura. Je mélange, on va mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des petites graines. C'est bon là. Encore un peu. Allez, vas-y, mets-en un petit peu parce que la feta c'est déjà salé et on a mis un peu de sel aussi. Moi, je dis moi parce que j'ai envie de goûter. Allez, encore un petit peu et c'est bon. Et moi aussi, pour mettre. Tu mets les graines de courge. De noir. Les graines de courge, elles sont vertes. Je peux mettre tout? Non. C'est trop, mon titi. Mais je peux mettre ça? Ça, c'est Vivi qui met les graines de tournesol. Et après, je peux mettre. T'en as mis assez, Vivi, c'est bon? Je peux mettre. De l'huile d'olive. Allez, on met tous les trois, c'est bon? Je peux goûter? Oui, mets dans ta main. Tu veux goûter, Athènes? Oui. T'aimes bien? Non, j'aime pas trop. Allez, on mélange bien. Oui. Allez, à table. À table, là. Victoria, je vais lui apporter ça. Tu devrais me poser, mon chat. D'abord, tu descends et après, tu le récupères. Super. Bon appétit, madame. Bon appétit, madame.
Merci, mon titi. J'ai couché Athènes. Tu vas me montrer le manguier. Ah, le manguier dans le jardin? Oui. Ah oui, je peux te montrer. Ah, là? Attends, viens voir. J'en ai vu des plus grosses l'autre jour. C'est comme ça que j'ai vu que c'était un manguier. C'est en venant là. Ah oui, et en venant, regarde là-haut. Athènes est à la sieste. Avec Victoria, on va faire une petite activité. Elle a eu ce week-end pour son anniversaire de la part de ses copains. C'est un sac à main qu'on peut personnaliser, c'est ça, Vivi? C'est quoi? Personnaliser, ça veut dire qu'on peut le mettre à ton goût, rajouter des petites décos, des petits trucs dessus. Oui. Bah, je sais pas exactement, j'ai pas trop vu ce que c'était. J'ai mis mon maillot de bain, puisque après on ira aussi faire un petit plouf dans la piscine qui est juste là. Pendant que tu fais ton sac à main personnalisable, je vais travailler un peu puisque j'ai pas mal de travail en retard. Merci à vous de nous avoir suivis pendant notre petite matinée. J'espère que ça vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.